Et s'il est vrai que les Scopitone ont merveilleusement servi la génération yéyé, ils ont aussi permis de voir et revoir des artistes de la génération d'avant, tels que Mick Michel, qui était déjà une star de la chanson à la fin des années 40 et qui avait obtenu en 52 un immense succès avec la chanson « Un gamin de Paris ». Eh bien, 10 ans plus tard, dans un Scopitone interlope, elle chante cette fois-ci les filles du trottoir, les pierreuses, les femmes de petite vertu, quoi. Sauf que la sienne est à la fois putain et intellectuelle et qu'elle s'appelle la Joconde. Messieurs, messieurs, ne vous battez pas. Il y aura moyen d'arranger ça. J'aurai des gâteries pour tout le monde. Mais ne bousculez pas la Joconde. À vrai dire, je suis seul comme un tronc. Un tronc qui n'aurait pas un rond. Et en attendant l'affluence, j'ai rien à faire alors. Je pense qu'il faut penser beaucoup à des choses qui en valent le coup. Pour sûr, j'en aurai dans le crâne, puisque la fonction crée l'organe. L'organe, c'est une belle voix. Et je connais un petit gars qui chante bien mieux que personne. Ça prouve que son esprit fonctionne. Ce qu'il faut, c'est meubler son esprit. C'est mon principe. Alors je lis Archimède, Euclide. Ma nature a horreur du vide. Pour tout dire, j'ai un petit ami. Il travaille dans une librairie. Et je lui fauche ses manuels. Putain, mais intellectuel. Je connais des choses drôlement hardies. Par exemple, un atome, c'est un truc crochu. La cellule, c'est la peau de l'atome. Après je m'arrête parce que je me pose. Je suis recherché pour mon savoir. J'en connais qui reviennent me voir. Uniquement pour que je leur pose. Et pour une fille ça, c'est quelque chose. Messieurs, messieurs, si vous voulez enrichir votre boîte. La Joconde.